et enquête qui débouchait sur ordonnance qui rend semaine passée sur assassinat Jovenel Moïse, et en même temps tout pour nous parler sous et déclaration et interview que ancien directeur général de la police qui c'est un monde qui est impliqué jusqu'au cou dans l'assassinat de Jovenel Moïse depuis Petit Bois et dans le mois janvier-février 2021 pour arriver 6-7 juillet 2021. Nous-mêmes, nous avons dit, et tout ça nous connaît, depuis les enquêtes là, et commencer jusqu'à ce que le juge là rende ordonnance. Ok. Même tout souligné là, qu'on dit impliqué jusqu'au cou. Oui. Ok. Et des précisions? Et précision. Et si on prend par exemple Petit Bois, et nous songeons ça qui passé Petit Bois et les 6 et février, 7 février 2021. Dans nuit 6 pour 7 février 2021, gagné et la police qui sortit dans le palais national, IGPN, avec le commissaire gouvernement Croix des Bouquets, et puis et DCPJ qui débarquaient, ils ont joué le monde dans l'espace là, et puis après ça, ils ont arrêté, ils ont mené dans DCPJ. Mais Petit Bois, il a commencé depuis plusieurs mois. Côté que son espace, que les gens ont réuni, son prétexte, soi-disant, un certain Widman qui était travaillé dans la Maison Blanche, dans NSC, et qui et discuter avec un série de monde pour une transition qui faite et monde qui ont discuté avec eux, ils étaient venus en contact et quand même ils étaient contactés Dimitri Rira, mais ça c'est des bails qui sorti dans la presse et même voice, même échange Dimitri Rira était avec un inspecteur général et dans la police là qui était arrêté tout et dans Petit Bois et ils étaient dans la rue, mais pour ça qui concernait et Léon Charles participait régulièrement dans réunion avec Mario Beauvoir, il était même dormi dans l'espace là. Et c'est Léon Charles qui fait et Mario Beauvoir et pas quitter l'espace là jour et 6 juillet et 6 janvier et 6 février pour ne pas arrêter. Ouais. Donc c'est Léon Charles qui fait Mario Beauvoir sauver. Oui, c'est lui qui fait sauver parce que c'est Mario cerveau. Mais je ne m'attendais ça Dimitri Rardi, non? Non, moi, je ne parle pas. Non, pour sauver, pour sauver. Parce que Dimitri Rardi, Mario Beauvoir voler ou quand elle prend. Oui, il prend, même quand elle blessée dans Barbelé, tout ça. Non. C'est ça, m'attendais. Mario Beauvoir quittait l'espace là, depuis vers zone 5-6 heures après-midi, et le débarquement de la police a devenu fait très tard dans la soirée. Okay. Donc Mario Beauvoir n'a pas voulu quitter l'espace là parce que nous-mêmes, nous t'avons rencontrés. Et les gens qui ont été arrêtés, et ont été dit nous, depuis vers 6 heures, ils n'ont pas vu Mario Beauvoir dans l'espace là jusqu'à ce que la police débarque. Qui donc, le Dimitri a débarqué avec troupe et Mario Beauvoir n'a pas dans l'espace là. Et Léon Charles, là, le Dimitri a débarqué? Non, il vient venir. Il vient venir après. Mais ça vient arriver sous un Petit Bois. Le Dimitri a expliqué et Jovenel Moïse qu'il y a un complot qui a monté contre lui pour un coup d'État. C'est ça qu'il explique. Et il dit qu'il a contacté Jovenel Moïse. Ça passait 3 à 4 jours avant, avant 6 février 2021. Et parce qu'on est venu 6-7 juillet 2021, et c'est ça que fait, auprès de Datio, il semblait. Et Jovenel convoquait Léon Charles, il convoquait Dimitri Rira, il dit, il posait question. Il demandait, mais qui ça a passé? Et Dimitri a expliqué, et le président, mais ça a passé. Jovenel dit, mais Léon Charles. Moi, je ne dis pas président Jovenel. Jovenel pas jamais président pour. Non, Jovenel était un monde qui était élu, la longue élection, passé, c'était président Jovenel Moïse. Si on me dit Jovenel, moi je dis comme ça, mais président Jovenel Moïse, oui, il était président pays. C'est lui-même qui a gagné l'élection. C'est lui qui était président. Et puis, Jovenel dit Léon Charles, ça a passé, ou pas de connaître, Léon Charles est tête en bas. Depuis sous Petit Bois, Jovenel Moïse est doué, écarté Léon Charles dans la police. Léon Charles connaît Petit Bois jusqu'au cou. Maintenant, il dit que c'est à partir de La Saline, un juge d'instruction qui était décerné au mandat pour arrêter Jovenel Moïse. Premièrement, je dis pour le public là, RNDDH pas porté le parti civil dans La Saline. Nous accompagnons les victimes et ces victimes qui ont déposé plainte. Et contrairement avec ça, mon t'a pensé, et peut-être mon pas suivre assez. Dans La Saline, il y a plusieurs rapports. Il y a pour petit 4 organisations de droits qui font rapport. OPC fait rapport, et FJKL fait rapport, CAD fait rapport, RNDDH fait rapport, la police judiciaire fait rapport, et au commissariat des Nations Unies pour droits fait rapport. Il y a et pour petit 5 rapports qui existaient dans La Saline. Et nous-mêmes, pendant tout mandat Jovenel Moïse, et sous vous préférez me dire... Non, non, allez, okay. Allez. Pendant tout mandat... Ça, c'est le naturel, il reviendra au galop quand même. Okay. Pendant tout mandat président Jovenel Moïse, nous n'avons pas jamais déposé un dossier devant la justice, côté que nous avons porté comme parti civil, nous avons déposé plainte pour Jovenel Moïse. Ça, nous avons fait comme organisation de droit monde, et nous faisons sous tout pouvoir, quel que soit le pouvoir. Dérive qui t'a fait sous Jovenel Moïse, nous t'es campé en face des rives, nous t'as dénoncé, et gangstérisation PIA, banalisation et la vie monde, et gangstérisation PIA, et on monte dans le Léon Charles, il joue un rôle extrêmement important, la dernière, pas oublié, et Matissan a commencé le 1er juillet 2021, et Léon Charles était directeur général de la police, et deuxième raison. Attends, on dit que gangstérisation PIA, commencer avec Léon Charles. Oui. Mais il dit on bagaille là tout dernièrement, il dit ou demander pour arrêter Barbecue. Mais justement. OK. Mais justement. Mais il dit tout, il était dit tout que pour ça pas demander pour arrêter Tilapli. Bon, écoute. M'a dit on bagaille. Nous-mêmes dans RNDDH, sous-suivre ça nous fait dans rapport, dans dénoncer massacre, kidnapping, banalisation de la vie monde, alliance gang avec autorité, puissance gang, nous dénoncer tout. Et ça capable arriver que nous avons discuté de barbecue, Genève et Allier, nous dit le barbecue, mais nous sommes capables de dire ça, nous sommes capables de dire l'appeler. Mais lui-même, ou bien ISO, mais lui-même, il a une bonne relation avec eux. Nous sommes les 12 mars 2021, 12-13 mars, les et la police a fait une intervention dans la village de Dieu. Côté que les bandits dans la village de Dieu, ont eu implication tout gang dans Grand Ravine. Ils ont tué plusieurs policiers. Et mais cadre policier ça va pas jamais mais le directeur général de la police a quitté la laissa Léon Charles, il payé et ISO 1,5 million gouttes pour récupérer blindé que bandit et volé. Or, récupérer blindé était plus important pour lui que cadavre policier au moins pour famille était capable de venir pour atterrir. L'ancien directeur général là qui t'a parlé avec moi vendredi dernier, monsieur Cotandé de Saldio, attendez un pile dans révélation que dit. Il a fait révélation. Ou qu'à quitter balai quand même. En tout cas, mais ça le dit. Il dit que l'assassinat 7 juillet a commencé depuis rapport côté rédigé, rapport sur massacre qui était fait La Saline. Et c'est sous base rapport ça qui était produit 1er décembre 2018 sous ça qui passé La Saline que juge Roger Noël Sius après sorti mandat 18 février 2019 contre Jovenel Moïse comme chef d'État en fonction, malgré, si c'est pas ça, Wadim, si c'est pas ça, malgré doyen tribunal première instance, Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville, te soumettre dossier à l'autre juge d'instruction qui c'est Chavannes Etienne depuis 4 janvier 2019. Qu'est-ce qu'on a dit non? Bon, RNDDH, équipe RNDDH là, et puis moi-même, tout, Pierre Espérance, que qu'il peut citer non, et comme quoi nous fait mandat, nous prenons connaissance de mandat ça seulement pendant l'année 2022. Nous pas jamais au courant d'un juge d'instruction qui était décerné un mandat contre Jovenel Moïse en 2019. Nous ne connaissons pas ça. Nous ne connaissons pas ça. Et je vais prendre pour encore. RNDDH pas jamais porté le parti civil dans le dossier La Saline. Qui donc, et nous-mêmes tout dans RNDDH, nous n'avons aucune plainte que nous signons contre Jovenel Moïse, ça veut dire contre l'ancien président Jovenel Moïse, ça veut dire que nous n'avons pas un dossier pendant devant la justice et contre Jovenel Moïse. Okay. Qui donc, et nous pas juge ça, et nous pas aucun rapport avec lui, nous pas qu'on est juge là, et nous prenons connaissance et mandat ça, c'est en 2022. Ça c'est un. Deuxièmement, lui parler de... Oui, mais on connaît Beauvoir. C'est sous Sam Dabignan. Ah, ok. Oui. Oh, oh. Oui, oui, c'est sous Sam Dabignan. Ok, donc vous dites qu'on ne connaît pas le juge là. Oui. On ne connaît le juge là ni en peintre, ni en peinture. Oui. On ne va pas au courant de mandater maître contre président Jovenel Moïse non plus. Nous prenons connaissance des mandats ça en 2022. Nous ne connaissons pas avant ça. Ok. Nous ne connaissons pas. Nous ne pas au courant si c'était un mandat 2000. Et les nous pendant ce mandat ça, nous disons, mais moun ça, son monde fou qu'il y ait. Comment un juge capable de décider décerner un mandat contre le président en fonction qui sur qui base et de qui dossier qu'il a instruit parce que on juge pas qu'à saisir un dossier pour tête li n'importe citoyen qui n'importe citoyen un groupe victime qu'a saisi cabinet d'instruction oui, mais l'offre une saisi cabinet d'instruction pour juge là qu'on y a li commencer instruire et sous dossier ça veut dire commencer mener enquête li li fait pour communiquer dossier à parquet pour réquisitoire et si parquet a dit que pas gain lié pour poursuivre ou pas qu'à poursuivre donc ça son bagage pas me comprendre qu'on là ou parler de mettre Mario Beauvoir oui Mario Beauvoir commissaire gouvernement deux fois dans quoi des bouquets et une si me pas tromper moi c'est sous et Joseph Michel Matéli. Et moi, je crois que le dossier qui était impliqué, yon conseiller et ancien président et Matéli, et qui c'est Calix Valentin, sur un incident qui était passé sous frontière, c'était Mario Beauvoir, si je ne me pas trompé, moi, qui était commissaire gouvernement Cotandé de Saldio à l'époque ça. Et puis, moi, je crois que les Jocelyne Privé viennent tourner président provisoire, et Mario Beauvoir était commissaire gouvernement. Et une organisation droit moun takou RNDDH qui c'est une organisation active dans question droit moun, un commissaire gouvernement dans juridiction et Port-au-Prince ou bien et Croix des Bouquets et nous pas capable connaître. Oui, nous connaissons et Mario Beauvoir. Mais Mario Beauvoir pas avocat RNDDH. OK. Il y a un influenceur que moi c'est recherche pas ou baoul tout même sur un article que M. Soti, en tout cas qui vient jouer un week-end. Dans le texte ça, qu'il publie sur compte Twitter, qui je dis en relais X, j'ai dit que Pierre Espérance du RNDDH et Maître Mario Beauvoir ont bel et bien participé dans les réunions avec les mercenaires colombiens et plusieurs assassins clés du président Jovenel Moïse. Galadeur qui est en condamné. Okay. Et, monsieur écrit tout pour le dire, Pierre Espérance, Maître Mario Beauvoir et Joseph Félix Badio, entre autres, voulaient au départ arrêter le président, comme indiqué dans une lettre de Mario Beauvoir à l'ambassadrice des États-Unis en Haïti. Et c'est à la dernière minute que Joseph Félix Badio a informé les mercenaires colombiens que leur mission était d'assassiner le président Jovenel Moïse. Et Wendel, moi pensais que pour respect que moi gagne pour... monde qui a coûté nous là et puis tout pour respect pour moi tout pour respect que moi pour vous moi pas ta et remet ma pour ton réponse à, et sous ça même pas ta remet à parler sous ça raquetait a dit par exemple moun ça on connaît ni ou dit on influenceur oui le Giovanni qui baille tête li non porté comme et journalistes et anticorruption. Donc vous êtes en well déjà. Oui, mais donc ça veut dire que moi nos services le fait que me mettre qu'on réponde. Non non non, pas nos services puisqu'on mettait dans une situation difficile, m'a répondre on raquettait. On raquettait, on est qui ton côté dans premier temps. Mais yo en pile et yo bon, yo de ça fait travail pas. Par exemple, monsieur et son nèg qui t'a travaillé avec Barbecue, qui t'a mangé l'argent Barbecue, lui vont côté la critiquer Dimitri Rira et puis qu'on est là chercher moun pour lui demander asile politique et après son monde, c'est un monde qui a attaqué tout le monde alors, mais qui ça l'utiliser pour attaquer monde, c'est demander moun l'argent, assez les monde et puis l'autre pas bali, il a attaqué moun yo. Dans cas pas moi, il pas mandé le demander non, il était venu dans bureau RNDDH en novembre 2021. Il dit que la menacé par Barbecue, il a besoin de quitter le pays. Mais il dit que si vous avez un problème avec Barbecue, ou c'est ou qu'on a mangé cobli ou tes amis ont donc c'est pour résoudre le problème avec Barbecue. Oui, et Mabdou que Giovanni sont raquetés qu'il est et qui a attaqué et moun qui a dit n'importe bagaille. Qui relation pour me capable de gagner avec Badio, avec Colombien? Moi, son défenseur de la moun, moi, partisan la vie moun, moi, pas partisan banalisation la vie moun, et moi-même, moi, son moun qui non violent. Et c'est une raison qui fait que, ouais, RNDDH, t'es en face des rives qui t'a fait sous Jovenel Moïse. On ne fait pas en 2000. Alors, fini, nous t'es en face des rives, mais nous pas jamais pensé que nous t'as pris le tout Jovenel Moïse. Est-ce qu'on pas jamais mal Petit Bois? Non, pas contre Petit Bois. On va jamais participer. Non, on va jamais aller. Ok. On va jamais aller. Jamais. D'accord. Jamais. À la lumière de ça qu'on dit la matin, Pierre Espérance, combien de fois un juge qui a instruit le dossier Jovenel Moïse tendez où? Il y a un juge qui tendez moi, c'est juge et qui sortit ordonnance là. Walter, oui c'est Walter. Walter, il tendez moi dans commencement juillet 2023, moi j'étais dans le cabinet, il était en dehors. À quel titre il était en dehors? Pas oublier, RNDDH fait plusieurs rapports, prend en pile position sous dossier et nous avons tout rapport qui nous était bali, que rapport nous était publié avec communiqué de presse, il était jugé que pour il était en dehors si nous avons des informations additionnelles à partir de après le rapport que nous pouvons évaluer. Tout à l'heure, on dit que Léon Charles a participé dans plusieurs réunions dans Petit Bois. Oui. OK. Mais on pas dit non si Léon Charles te rencontre autour la CAO. Non. Vous posez une question après pour nous. Non, écoutez, oui, mais on pas dit non si c'était la CAO. Léon Charles c'est un directeur général de la police. Moi, quand Léon Charles et depuis avant même, il était directeur général de la police en 2004. Il fait 2004-2005. Nous avons une très bonne relation. Il tournait en Haïti et il devient directeur général de la police jusqu'au mois de novembre 2021, après le fin d'assassiner Jovenel Moïse. Et nous avons de bonnes relations. Et relations coupées. Et je suis capable de dire... 3 jours après l'assassinat. Mais il faut que moi d'auto, relation yo pas de bon du tout. Et depuis Petit Bois, parce que moi connais implication dans Petit Bois, mais ils viennent couper net depuis après l'assassinat. Et Sauvelé m'a expliqué pour qui ça, ils viennent couper. Oui, l'étape très bon, vous nous connaissez parce que normalement, RNDDH n'a jamais raté l'occasion pour dénoncer violation de droits de l'homme. Très bien. Donc, vous connaissez un complot à fait pour assassiner ou bien pour un président en coup d'État, dans Petit Bois, au courant de ça, mais pas de dénoncer. Moi-même? C'est ça que je dis là. Moi-même qui dit ça? Vous avez dénoncé les? Non, pas. Non, parce qu'on dit comme ça que les relations commencent à détériorer à partir de participation dans la réunion de Petit Bois. Oui, mais qui l'aimerait venir contre Petit Bois? Moi, venir contre Petit Bois, et c'est après et témoignage Dimitri Rira à Baye sous et va-et-vient que Léon Charles te qu'on fait dans Petit Bois. Moi, venir contre tout à partir de Mounio qui a arrêté et qui n'a loué. Et puis, nous venons comprendre et sac Petit Bois et Mounio dit nous, Mounio, il y a plusieurs gagnants anciens responsables dans la police là. Et nous disons anciens rétrogradés dans la police là. Tu as un médecin, tu as un agronome, tu as un juge dans la cour de cassation, nous sommes toutes. Et eux-mêmes qui t'a expliqué nous, Jean et Léon Charles, tu as fait va-et-vient dans Petit Bois. C'est après au finalité. Donc, je ne connais pas Petit Bois avant. Je ne connais pas. Si je ne connais pas, je dis ça, je connais bon côté qui des doigts. Moi-même, Pierre Espérance, même si c'est quel que soit le monde qui occupe n'importe quelle fonction dans le pays, et que même si le monde est impliqué dans la dérive, mais depuis que je connais un plan qui a monté contre lui, pour exécuter lui, je vais aller bon côté qui des doigts, m'informer qui des doigts. Et qui des doigts, dit par l'autre monde, c'est la police judiciaire ou bien le monde qui enchaîne sécurité dans le pays qui dit ça. Parce que moi-même, je suis non-violent, je suis partisan de la vie, je suis défenseur de droit monde, je ne suis pas partisan de la banalisation de la vie monde. Quand je là, je pense que j'ai une occasion pour m'expliquer qui rôle et Léon Charles jouait dans un complot qui débouchait sur l'assassinat de Jovenel Moïse et puis après l'assassinat. Très bien. Mais allez? Oui. Merci. Le 7 juillet, Jovenel mourit dans le 6 pour le 7 juillet. Et 7 juillet, pour qu'on ait un rapport préliminaire juge de paix, et DCPJ fait commencer à saisir des dossiers. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on a commencé à comprendre le comportement de Léon Charles dans le dossier. Si cette juillet est passé, il a fait appel à un juge de paix pour faire un constat. JDP arrivé dans le commissariat Pétionville depuis 5h35 le matin, c'est dans le début après-midi 7 juillet, Léon Charles réussit à autorisation pour JDP aller dans la résidence Jovenel Moïse. Parce qu'il te fait tout le temps dans le commissariat. L'autre bagaille, les Colombiens. Oui, mais il faut sur ça. Ça n'a pas dit que c'est électorel. Non, je ne comportement qu'elle gagne dans le dossier. OK. Quand il y a des Colombiens qui réfugiés et avec Vincent et Solages, ils réfugiés bon galvé. La police allait, monsieur arrivé dans un moment côté que ils décidé de rendre tête. Il y a deux Colombiens qui ont exécuté, qui ont neutralisé, qui ont maîtrisé, qui ont exécuté, et c'est Léon Charles qui bat l'autre pour exécuter. Quand là, les autres Colombiens. Monsieur Espérance. Oui. On dit que c'est Léon Charles qui bat l'autre pour exécuter. Oui. L'autre, ça écrit ou bien dans le téléphone? Non, c'est lui-même qui a commandé l'opération. Il a commandé l'opération, il fait exécuter, c'est lui-même qui a commandé. Parce que songez que Léon Charles Dou, il fait tant dans Pétionville, il n'est pas arrivé dans la résidence président. Il arrivé sous ça après. Non, mais attends, non. Pour qui ça le fait exécuter deux saillots alors que l'autre a arrêté? Parce que les saillots, c'est une monde, et selon l'enquête des CPJ, c'est les gens qui fait partie du groupe Delta qui est rentré dans la chambre président qui exécute le président. Donc il fait tuer deux gens. Deux gens. Vous avez un oui, je ne parle pas avec moi là, mais il y a une enquête de CPJ. Ça veut dire que soit il y a un premier rapport partiel de CPJ ou bien non. Quand il y a là, et alors le rapport ça te remet dans le début mois d'août 2021. Quand il y a là, Colombiens, avec des Haïtiens américains, ils rendent tête dans le commissariat Pétionville. Là, ils rendent tête, ils joignent $40,000 américains sur eux, etc. Et puis, vous dites $40,000? Oui. Ils joignent sur eux? Oui. Alors ça, c'est un Colombien. Ils ont Colombien, ils joignent l'autre, cobri sur l'autre, mais Puis, gros, quand vous avez sous un Colombien, vous avez $40,000 américains, un Colombien. Quand vous là, le des Haïtiens américains, Vincent Solages, et Léon Charles prend yo, il rentre dans le bureau commissaire, il fait environ 1 an et demi à faire réunion avec eux, à parler avec eux. Environ 1 an et demi à faire tête à tête avec eux. Vincent Solages. Quand vous là, l'heure où il arrive dans le DCPJ, qui commence à faire enquête, il y a plusieurs enquêteurs, ils ont mobilisé, ils ont environ une douzaine, et chaque travail par eux qui a fait, peut-être, je pense qu'ils étaient regroupés en groupe de 3 ou bien 4. Léon Charles prend commande et enquête là, et il exige DCPJ chaque jour pour bali un rapport sur les gens qui ont arrêté, qui ont auditionné, et sur tout ça, ils ont gagné comme relevé téléphone et dans le cadre d'enquête ça. Et c'est ça qui peut faire que yon nan cerveau et criminel, m'a dit yon là d'ailleurs, John Joel Joseph, qui immédiatement après l'assassinat est allé Cité Soleil dans la base Ti Gabriel, et pour une raison ou l'autre, il quitte base et Ti Gabriel Cité Soleil, l'aller en pleine, l'habiter en pleine. Qui côté? Non, l'aller non caille en pleine. L'aller non caille, la pleine, il était. Mais par contre, qui est-ce? Non, il on caille qu'il était, on caille, par contre qui est son caille, m'a dit on caille qu'il était. La police judiciaire enquêtait yo. Yo, jouen qui côté, monsieur était. La police prend disposition, ils peuvent faire filature, ils ont après-midi autour de 6 heures pour arrêter monsieur. Et comme étant donné c'est Léon Charles qui prend commande enquête là, et là, il est informé de ça, il fait et John Joel Joseph quitter là. Et c'est ça que fait, ou ouais que John Joel Joseph, il n'a pas arrêté en Haïti, c'est juste Jamaïque l'aller. Donc c'est lui qui facilite... non, pas les Jamaïcains, c'est lui qui facilite qui était là, qui fait que la police judiciaire et la police pas arrêté. Et Sam Abdoula, c'est auprès de enquête là, des enquêteurs. Enquêteurs. Et il y a un appareil, et Joseph Jout acheté pour et la police là, pour des CPJ. Mais appareil ça, c'est pour aider en pile dans la question criminalité. Et son appareil qui a détecté communication moun, qui a même capté et échange moun, communication, et qui est capable d'identifier moun tout dans des zones côté ouye, mais c'est moun et capable de soit qui yo suspect qui n'a crime, et dans sac passage, dans kidnapping, etc. Et appareil ça, tu commandé sous Joseph Jout, l'arrivée et plusieurs mois avant l'assassinat. Et enquêteur de CPJ et DCPJ mandé appareil là qui pour permettre faciliter l'enquête là. Léon Charles Kembe appareil là, il pas jamais remettre li bail DCPJ pour capable bouiller Pichot. Et c'est là qu'il quittait la police en novembre 2021. C'est après un pile et demande, un pile suivi qui fait qu'il réussit à remettre l'appareil là dans mi-temps et année 2022. Et son appareil qui a facilité et enquêté pour être capable de suivre une série de conversations et beaucoup plus rapide que les aller bon côté compagnie téléphonique qui prend un paquet de temps pour bail et information. Donc selon vous-même, appareil ça là toujours qu'on est là. Oui, il est maintenant en 2022, il est là, il oui, là. Appareil ça là travaille dans des CPJ. Oui. Au sûr de sortir. Appareil là là. Non, moi je suis sûr. Oui, sûr. OK. Oui, sûr à 100%, oui, okay, sûr. Très bien. Mais son appareil qui coûte un bon petit cob qui commandait sous et que monsieur de confisqué pendant longtemps. Il confisqué lui, il prend appareil là depuis et les joignit parce qu'il connaît ça le faire, il connaît un complot contre Jovenel Moïse qui débouchait sur assassinat. Et immédiatement après l'assassinat, ça a été fait. S'il te voulait lumière faite sous crime, c'est remettre appareil là par des CPJ qui pour permettre que... Mais je m'en parlais là, c'est comme si c'était seulement Léon Charles qui impliquait dans l'assassinat. Ah non, sauf les nous parler, et Wendel, nous avons fait 3 émissions. Valovle, m'a dit tout ça me connaît des enquêtes là et m'a dit tout ça me connaît. Cependant, il y a des bagages moi pas connaît, li pas dans enquête là parce que souvent des mobiles criminels ou intellectuels criminels pas connaît. Parce que nous pas une partie financement c'est et c'est plus gros faiblesse qui gagne dans dossier ça. OK. On va parler d'ordonnance là. Oui, alors me dit enquête là qui débouche sur ordonnance. Oui, connaît là. Parce que faut proposer. Oui, connaît là. Pour y arriver à assassiner Jovenel Moïse, la police judiciaire conseille des bases de données, ou c'est des institutions clés dans l'État qui des CPJ connectés avec bases de données ça yo. Qui est sur ces bases de données immigration et ONI, DGI avec OAVCT. Vous comprenez pour qui ça tout? OAVCT c'est pour motocyclette avec machine et ONI c'est pour 4 d'identification et immigration, c'est les gens qui fait va-et-vient qui quitte le pays. Si par exemple, un bon exemple qui est simple, un policier qui dit dans des CPJ, qui dit dans l'enquête là, il était là quand Jovenel Moïse, madame était rentrée joie, il était obligé de quitter Kaila pour la fontaine avec madame ni, elle retournait, il joint, il attaquait Kaila. Son bail qui est simple, comme si avec base de données, ça on a vérifié si, et depuis on bail non Mounsa, est-ce que Mounsa était rentré joie vrai? Ouais. Donc, ils ont connecté toute base de données. Déconnecté toute base de données. Maintenant, qui est-ce qui peut faire reconnecter? Je ne dis pas Léon Charles, non, qui te déconnecté. Je me dis, ils ont déconnecté. Qui est-ce qui peut faire? Qui est-ce qui peut faire demande là? C'est Léon Charles. C'est lui-même qui fait partie CSPN. C'est lui-même, c'est pas. Directeur de CPJ n'a pas fait partie CSPN. CSPN, c'est le Conseil CPJ pour la police nationale. Là. Eh bien, il n'a pas jamais fait des matchs ça. Et base de données ça, pas jamais reconnecté jusqu'à ce que la police remette le premier rapport partiel. Et qui donc, ça n'a pas fait. Dernier bagage, on a ajouté. Ou dit dernier. Non, on dernier m'a dit sur le rapport partiel là. La police judiciaire fait rapport partiel là, la police judiciaire enquêtait yo, yo était à 2 pas pour rejoindre mobile criminel avec auteur intellectuel. Ça veut dire que tu as aller bon côté financement. Parce qu'on est à quête la chaud, tu as aller bon côté financement. Léon Charles Bay l'ordre à DCPJ pas entrer sous Pissa. Li bay l'ordre à DCPJ pas entrer sous Pissa et enquêter pas aller parce que pour enquêter et m'a proposé même question encore Pierre Espérance. Toute l'ordre ça Léon Charles Bay c'est toujours en zami taille. Non, pas en zami taille. Ah ben, vous écrit, est-ce que vous écrit? Non, l'autre verbal, ça veut dire que c'est... Coudé. Non, parce que... Non, regardez. En zami. Si par exemple, j'ai un problème là, j'ai un menace sur moi, et puis je l'ai dénoncé, j'ai 2 gens qui ont fait ça, si je vois le bail Pierre Espérance, que je connais, que je bien, je me dis, Pierre, je pas tiré attention sur tel bagaille, et je vais mettre au courant. Moi, je le téléphone, comme on me connaît bien. Mais pour un bagage aussi grave, on a parlé de l'assassinat d'un président, c'est un acte de légèreté quand même, bon côté, et des CPJ, et directeur général, pour que tu prennes l'ordre. Attends. Pour que tu recevoir l'ordre verbal. Ou pas trouver que le bizarre, que... Parce que là, on va dire que si on écrit. Non. Écoute, pour qui ça va retrouver anormal alors que c'est 6 pays hiérarchiques qui baillent l'autre là? Non, mais l'autre là pas obligé écrit. Bon, écoute, celle ça me capable de dire, les bailli, ils ont exécuté à la lettre et jusqu'au moment qu'on a parlé là, nous pas connaît qui est-ce qui paye pour crime. OK, très bien. De toute façon, l'autre yo te bail et m'a rappelé moi d'où que et depuis enquête là, comment c'est monsieur ordonné et DCPJ pour bali un rapport chaque jour on est délié sur enquête là alors que OK monsieur de Dion Bagay là pendant l'émission a fait dernièrement il dit que de même que gang infiltré la police nationale RNDDH infiltré police là donc on va confirmer ça là pour nous là matin. Bon Parce que donner ça, on a gagné, on ne pas gagner en dedans qui va où. Parce qu'on ne peut pas travailler dans la police quand même. Non, tu es méfiant. On ne peut pas travailler dans la police, pas oublier que la police, là, la justice haïtienne, à tes clés dans la chaîne pénale, là, il y a besoin d'organisation qui active, il est indispensable pour eux dans le cadre de travail. Ok. Je vais prendre pour encore. Qui pas une question plutôt. Moi, je dis, est-ce que RNDDH infiltré la police nationale? Mais nous pas infiltré la police nationale. Je vais expliquer. On a des antennes dans la police. Non, on pas des antennes dans la police. Mais comment fait qu'on est... Mais tu bonne chance pour m'expliquer. Allez-y. Relation avec la police. Moi, d'où que relation avec la police, relation avec juge, relation avec acteur dans la chaîne pénale là. Moi, d'où que nous-mêmes dans RNDDH et toute organisation de droit monde qui active, organisation de droit monde qui active et relation travail nous pour travail la capable bail résultat et institution clé acteur dans la chaîne pénale là, yo indispensable pour nous. Même gens tout. Est-ce que nous indispensable pour yo tout? Nous indispensable pour yo tout. Même pas ça me remplir là d'ailleurs dit non. Ah mais qui grand pile policier qui dit que organisation de défense doit monnaie pour deux bons ensemble vivre je dis comme criminalité. Bon et Wendel. Oui. Moi même pas pas répéter ça mon policier. Non. Mais pas monde comme ça. Good. Moi Mabdou. Wendel la police nationale là. Nous supporter la police là. Nous toujours encourager la police là. Nous toujours dénoncer dérive tout qui vient dans la police là. Bon faut un petit camp là encore. Pierre Espérance. Excusez-moi. Beaucoup bonne chance pour me répondre sous relation avec la police là. Non, faut bonne chance. Mon question sensible, bon répondre. Non, on se dit là, on répond, on va pas répondre assez. Non, ça c'est important. La communication à faire. Allez-y. Moi dit organisation droit Mounio, travail et institutions clés dans l'État, acteurs dans la chaîne pénale, là, la police là, et la justice là, sont indispensables pour nous, c'est vice-versa. Mabdou, par exemple, si la police judiciaire, DCPJ, a mené une enquête et elle connaît que c'est RNDDH qui est capable de faire jouer une victime, ça yo, eh bien, il y a bien côté non. Il a demandé nous information. Et n'a mis les victimes à la disposition. Et même information confidentielle que nous gagnons tout, depuis ce n'est pas une information qui concernait un policier qui mettait la vie victime et en danger, nous collaborons avec eux. Qui donc travaille là indispensable. Pan et Mabdou, nous ne sommes pas capables de compter combien de fois. Et l'équipe RNDDH c'est régulièrement monter, descendre dans le commissariat, dans le sous-commissariat, dans le DCPJ, dans l'accompagner moun et dans les moun qui dans le DCPJ. Même gens tout, Wendel, même gens tout. DCPJ qu'on passe une semaine et dans RNDDH à garder des dossiers qui sont capables d'aider dans le cadre de travail. Ok, on faut que sur ça. Sur ça qui concerne nous là. Dans ce sens, un monde qui dit, n'importe directeur général de la police, qui est capable de dire que nous influencer la police, c'est parce qu'il n'y a pas contre la police. Donc là où tout dit nous tout que DCPJ travaille avec RNDDH. En pile, pas nous-mêmes, c'est avec l'organisation de l'homme. Ok, dans le cadre d'enquête sur Jovenel Moïse, là, DCPJ. Ou bail de CPJ des informations. Bien sûr. Ok. Permettez que je pose là. Organisation droit monde. Et puis pour ne pas partager avec des CPJ. Même Jean-Touin Delna, Académie Police là, n'importe aspirant qui gagne les nouvelles classes pour rentrer et Wendel. Ils voient toute l'issue banouille. Même j'ai envoyé le DCPJ pour nous vérifier, pour nous aider sur enquête proximité, oui. L'homme nous, organisation doit nous activer. Oui, ça c'est coopération que nous devons comprendre. Oui. Ok, Pierre, Monsieur Espérance, Pierre Espérance, permettre que je me pose, puis nous tourner après. Ah, ok. D'abord, je consacre la télévision pas pour me lier. C'est émission, m'a dirigé seulement. Donc c'est la norme. Merci encore une fois. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio Radio et Télémétropole, le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, RNDDH. Point est unipièce. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Responsable du Réseau national de défense des droits humains, Pierre Espérance, est notre invité aujourd'hui. Avant de continuer, vous avez dit qu'on a un bagage que Mbakito dit dans l'élaboration d'affaires. Nous sommes sous question infiltration. Est-ce que RNDDH a infiltré la police ou dit non, mais rapport excellent. Ah, bien sûr. Rapport excellent entre vous-même et entre, en fait, les organismes de défense des droits humains et la police nationale. Gagné Joseph Félix Badio, monsieur fait sortir un voice. Et Gombaré lui dit, je ne sais pas si pour le monde assimilé avec menace ou bien quoi que ce soit. Dans des déclarations côté fort, il dit que monsieur parlait avec le Premier ministre Ariel Henry plusieurs fois. Et monsieur l'a répondu, il dit que Pierre Espérance mouche doit suivre ses cueils. C'est ça? OK. Qu'est-ce qu'a fait monsieur Gagné tant de haine contre vous? Très bien. Avant de sous Félix Badio, m'a dit des trois petits bagailles sous comportement toujours Léon Charles dans le cadre et enquête ça. Et moi-même m'a dit que rapport enquête juge là qui débouchait sur ordonnance, c'est une enquête qui fait ensemble avec FBI et département justice américaine et particulièrement et juge et procureur qui est aux États-Unis, qui Miami, qui travaille sur le dossier ça. N'a pas rappelé. Dans date 6 novembre, le 6 novembre, juge là rencontré FBI avec les monde dans la justice dans Miami qui travaille sur le dossier ça. Les juges la tourné blindé. Yo bay juge la toute information sur toute transaction qui faite aux États-Unis et dans cadre complot ça qui débouchait sur assassinat et en pile l'argent yo t'est passé par film qui est le CTU ou bien sous le CTU. Et alors compagnie et nous connaissons que yo arrêté monde dans compagnie ça. Moi, je veux dire que RNDDH n'est pas concerné par enquête juge, ni ordonnance, ni travail FBI, ni département de justice. Et ce n'est pas nous-mêmes tout depuis avril 2023 qui demandait pour Léon Charles quitter la diplomatie. Depuis avril 2023, département d'État à travers l'ambassade américaine, a demandé au ministère des Affaires étrangères pour Léon Charles quitter la diplomatie. Ce n'est pas pour quitter aux États-Unis, non, comme citoyen américain ou bien comme résident, non, mais comme diplomate. Et c'est celle Léon Charles qui est capable d'expliquer avec le ministère des Affaires étrangères pour qu'il soit demandé de le quitter, mais il est clair qu'il a demandé de le quitter. Question d'émission. Attends un moment. Question d'émission. Léon Charles a forcé de démissionner. Qui est-ce qui force le démission? Le gouvernement, Mredou, depuis le mois d'avril, le ministre des Affaires étrangères a fait lettre, il voyait le bail primature et le Premier ministre n'a pas jamais approuvé lettre là. OK. Qu'on est là, si Léon Charles Gondan contre moun qui t'a. Par contre, moun quelqu'un qui est impliqué dans le crime, dans le complot, et moun qui t'a protégé, qui probablement la guerre journée aujourd'hui, c'est pour la jeune Mounio. Mais nous-mêmes, nous ne participons pas à aucun complot, nous ne participons pas à tous les Jovenel avec lui. Et Mabdou, il y a un cadre dans la police, pas n'importe cadre, non, un commissaire divisionnaire. Il fait deux voyages dans l'alcool et Léon Charles deux fois avant l'assassinat. parce que il était contacté lui pour lui rentrer dans le complot. J'ai dit non, là il dit Léon Charles ça, Léon Charles par exemple, et Léon Charles par exemple fait rien. Et Mounsa li là, il témoignait devant juge là. Malheureusement, commissaire divisionnaire ça qui toujours en fonction la police là, il a allé à Jovenel deux fois, peut-être Jovenel, président Jovenel pas disponible, il pas recevoir. Il a le président Jovenel plusieurs fois et appel manqué, Jovenel relève deux fois, appel manqué, ça veut dire qu'il n'y a pas de chance pour communiquer. Et Mabdou tout, Léon Charles, avant même l'Italie fait tête à tête avec des Haïtiens américains, Vincent Solages, Vincent et Solages, Monsieur Sayo, il y aurait Léon Charles sous téléphone, Léon Charles, il y a plusieurs fois, en pile appel, pendant qu'il était réfugié dans le bon calvaire. Je ne sais pas de qui ça a discuté. Je ne sais pas si on a discuté est-ce que pour te rendre compte tête yo, mais Léon Charles te vient démentir ça dans une note dans commencement année 2022 pour lui dire comme ça pas de bagaille comme ça. Heureusement et dans relevé téléphone yo DCPJ pas de ka mettre parce que c'est Léon Charles qui t'a commandé enquête là, mais FBI te remettre te faire relever ça yo remettre DCPJ yo et il a montré toute conversation Léon Charles te gagné. Alors, l'aime dit conversation, il a montré que Léon Charles t'a communiqué avec Mounsa. OK, bon, bon petit temps qui ah, bon temps oui, c'est ça. Non, mais l'autre en bavine là, nous avons fait des êtres là, nous avons parlé sous pays non. Très bien. Bon Dieu, ou dans élaboration à faire là, on dit que le juge l'était parti. Il retournait blindé. Oui. Pour Paolo. Qui c'est propre parole, ça. Je la retournais blindé. Ça veut dire que ce monde que oui. FBI bali oui. En pile d'informations. Oui. Oui. En pile, monde qui paye là, c'est à partir d'informations que le département de justice américain baille. Très bien. Et particulièrement, où est-ce que passe les juges la retournée première, c'est celle l'arrestation faite depuis le sous-dossier pendant plus de 2 ans. Il a arrêté et magistrat. Marqué ça. Et c'est à partir d'informations que bali. OK. Et il y a un pile l'autre monde qui paye tout. Et il y a un pile d'autres monde que vous voyez juger et qu'il paye, c'est à partir des informations que vous avez. Et c'est ça que fait tous ces législateurs tournés, ils mettent mandat ça, ils mettent un mandat d'amener contre Martine Moïse. OK, tenez-moi là. Je tourne sur ce juge là, qui entrait, qui retournait blindé avec un pile d'informations. Blindé 6, oui. Bon, très bien. Ça, tellement que le a donné dans le même. Oui. OK. Pour qui ça? Il y a des Américains d'origine haïtienne qui ont arrêté. Il y a un ancien informateur d'IA qui ont arrêté, qui ont fait condamner. Et c'est les Américains qui viennent arrêter, monsieur. Et pour qui ça, ils n'ont pas arrêté Léon Charles là-bas, qui est là-bas? Pour qui ça? Bon, et premièrement, Léon Charles, c'est un diplomate qui est en poste à Washington et Mwendou depuis le mois d'avril 2023. Oui, mais s'il est impliqué dans l'assassinat qui planifié sous territoire américain, vous pensez qu'il était capable, il était toujours arrêté, lui, non? Non, attention, attention. Complot sur assassinat, complot sur Jovenel Moïse qui débouchait sur assassinat, les planifier aux États-Unis avec Haïti. Kounila, c'est la justice américaine, à partir de ça que vous avez dans main, qui connaît, qui sort, qui a préservé pour Léon Charles, qui journée aujourd'hui sont citoyens américains ou bien qui est résident aux États-Unis. Au moins, ils ont 4 vêtements si ils n'ont pas gagné un passeport américain dans main. Mais Mabdou, c'est eux-mêmes tout. Et à partir de ça, qui est dans meilleur. Mais l'autre monde qui est américain. Non. Vincent, américain. Ça, non. Wendel, Léon Charles, jusqu'à semaine dernière, il a un statut diplomate. Et moi, depuis avril 2023, département d'État, à travers l'ambassade, il a demandé au ministère des Affaires étrangères tout le temps pour retirer Washington. qui sort qui est pour lui et puis on est tout qui côté et qui est-ce que Léon Charles après les films quitter et diplomatie est-ce qu'elle a prêté dans pays l'aime du pays la pays qu'elle réside on est en retournant sur le dossier Badio oui on dit que Badio était le premier ministre là avant pendant et même après et me dit que me pas attendre une déclaration que monsieur pas faire côté que gagner bail bizarre net que le pral dit te concernant. Ça qu'a dit non sur ça. Bon, moi-même, moi t'étendais et Voice Badio te fait sortir et dans fin année 2022. Côté que et monsieur dit c'est mouche qui a bien sous cadavre moi. Et c'est parce que moi, j'étais toujours bail on sait des informations sur Badio, moi dis Badio pas dans caché. Moi dis Badio a psychilé. Moi dis que Badio allait dans maquette tout le temps. Mais pas ta besoin mourir peut-être ou dit ça. Non pas qu'on est ça écoute, moi d'où on t'a parlé de lui et tout le temps. Ce qu'on y a et qu'on est là, ça capable déranger parce que moi ba on paquet d'informations sur relation Badio tout avec la famille présidentielle. Badio, c'est un monde qui est pressenti comme ministre intérieur Ariel Jovenel. Moi, je dis Ariel Jovenel, si Jovenel était vivant. Oui, il était proche de la famille présidentielle. Et Badio, c'est un monde qui compte conduire machine pour un sénateur, ancien sénateur, qui sont un gang qui était fait magie pour Martine Moïse. Donc, moi, je baille toute information ça. C'est des bagages qui sont capables, pour moi-même, de déranger. Maintenant, sous question, Badio parlait avec Ariel Henry. Ce n'est pas une information qui m'a inventée. C'est dans le premier rapport partiel de CPJ, de remettre la police judiciaire qui montrait qu'il y a tout de téléphone et Ariel yo que yo communiqué. Et comme les ça, et dans le rapport ça, les ont relevé certains téléphones. Yo mettez pas Badio yo, mais gen de moun yo pas mettez non yo et comme c'était pour Ariel par rapport à position Ariel, nous dit Badio parler avec Ariel. On est là avant rapport sorti Ariel docteur Ariel Henry avant rapport de CPJ nous pas sorti parce que c'est rapport nous analyser. Docteur Ariel Henry allé dans radio dans capitale là, il dit qu'on est Badio qu'elle connaît pas impliqué dans gros dossier comme ça. OK? Oui. Et pour moi-même, il y a une faiblesse et rapport, j'aimerais dire, ou pas jeune mobile qui avec autant intellectuel parce que partie financement, Léon Charles est bloqué au commencement. Et le juge Walter baille la police judiciaire, une commission rogatoire pour enquêter sur question et l'argent, l'aime dit l'argent, transaction qui fait en Haïti. Dans des banques commerciales, dans la capitale, là, ça ne veut pas dire que les banques sont impliquées, mais c'est là d'ailleurs été fait. Et c'est ICREF qui peut forcer les banques à avoir des informations. On ne peut pas trouver ça bizarre que l'élément ça pendant l'ordonnance. C'est grave. C'est voulu, c'est grave. C'est plus gros faiblesse qu'on gagne. Et là, si je bien comprendre, j'en parle, là, ou même information ça gagne. Non, pas gagne. Non. Moi, d'où c'est faible. C'est ça que je ne pas contre mobile criminel avec autant intellectuel criminel, pas gagne information ça. Est-ce que c'est selon même les cerveaux du crime, il y a des intouchables? Mobile criminel, auteur criminel, et il y a des gens qui dans le cerveau criminel, ils sont intouchables. C'est ça qu'il faut ouais. Non, premier temps, Léon Charles Baye, DCPJ, l'autre pas enquêté sur ça, et il n'a pas enquêté. Et les Léon Charles vient quitter, qu'on y là, juge Walter, Baye, DCPJ, une commission rogatoire pour le continuer, et les BAF, mandé ICREF, et à chercher information ça, ICREF pas bali, aucune information. Alors, mon petit, et bagaille très technique pour me dire là. Automatiquement, DCPJ finit de remettre le premier rapport partiel là. Et l'ICA continue à compiler l'information, mais officiellement, il n'est pas enquêté sur le dossier, tout autant que le juge n'a pas ballon commission rogatoire. Et possibilité pour nous de faire une information rapide, c'est l'enquête là a commencé. Mais malheureusement, Léon Charles a campé en quoi? Et Mabdou, je pense que le plus gros erreur qui fait, peut-être c'est vous, bon côté Claude Joseph, c'est lui qui est en charge. Il n'a pas doué quitter Léon Charles dans la tête de la police. Là. Même s'il n'a pas d'informations sur lui, que M. était suspect, mais comportement, le président Relé ou directeur général de la police, ou pas jamais arrivé, ou gagne tout ça dans mon. Parce que, entre autres, ça l'a raconté, son paquet, c'est bail, c'est on eradote. Ou directeur général de la police. Par les nationales, il y a 3 unités spécialisées, mais tous ces policiers qui sont là. C'est vrai, Wendel, et comme c'est des gens qui sont dans sécurité président, ou pas qu'à manger n'importe comment. Mais depuis le président Relé, c'est pour venir avec tout pour ça, c'est un. Mais les Léon Charles ont côté, même si Dimitri Rira est à côté président, c'est Léon Charles qui est chef. Donc, il n'a pas fait rien. Il n'est pas arrivé, il est doux, il était Delma, il y a un mauvais temps, qui prenne pas qu'on est si son cyclone, qui voit sur route frère, etc. Il n'est pas arrivé dans Kaila, il est arrivé juste, il est arrivé Pétionville, il était là. Bon, Mando, question ça, Pierre Espérance. Et puis tout, Wendel. Si je dis, attends, si je dis, je pose une question ça. Qui a tué le président? Qui est-ce qui répond? Wendel, c'est la plus grosse faiblesse enquête là. Ou jeune quelqu'un qui était dans le complot, quelqu'un qui est complice, et ou jeune monde qui. Alors, c'est pour nous dire, on a dit question de l'autre façon. Pour qui ça a tué président? Non. D'après moi, d'abord, qui est-ce qui tué? Et c'est qui est-ce qui tué là qui va permettre de nous déduire pour qui ça a tué? Ah, mais ok. Gagné Colombien yo, qui était la caille Jar. Vous connaissez Jar, la justice haïtienne par exemple dans Delhi, il était en République dominicaine, de République dominicaine, FBI prenait l'aller aux États-Unis avec lui. Il était la caille Jar. Et c'est policier qui prend Colombien yo, mené yo la caille et président Jovenel Moïse. Et groupe colombien qui rentré dans Kaila, parce que Colombien ont formé 4 groupes. Groupe qui rentré, groupe ça a relé Delta. Et c'est Delta ça, d'après enquête de DCPJ, qui rentré, qui exécutait président. Et les Delta arrivés dans Kaila, pas de gagner aucune résistance. Ça veut dire. Non, tu as l'argent qui était avant. Oui, oui, tu as l'argent qui était avant, pas de gagner aucune résistance. Et c'est dans le monde Delta, et c'est parmi 5 mondes, Léon Charles fait exécuter dès là dans le monde calvaire. Mais moi, par exemple, je me dis que la population a exécuté mon tout. C'est pas vrai alors? La population a pris un petit cop. Combien de cop comme ça d'abord même? Mon monde calvaire, ils ont mangé, ils ont bu. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont pris des sept, ils ont pris un cop. Tu as un peu l'argent. Oui, je ne vais pas répondre à la question, non? On va dire que si mon calvaire répond, tu as tué mon tout. Et pas au courant que mon calvaire tué mon. Pas mon calvaire, population. Parce que Léon Charles dit que la population a aidé la police à capturer Mounio et nous avons vu des images de monde qui est mort, des Colombiens. Bon, qui sauve les deux encore? Moi, deux Colombiens, ils ont rentré tête. Et Léon Charles, il y a des gens qui ont fini de maîtriser. Il est neutralisé, il fait exécuter. Ok. Ou dit que. Mais la population, c'était. La population qui a tué les Colombiens. Ça, c'est des témoins clés qui font partie des groupes Delta qui étaient entrés dans le champ. Donc, pas de gens que la population a lynché, pas de gens comme ça. Bon. C'est des gens que. C'est la police qui a exécuté. Écoute, pour ça qui concerne des Colombiens, ça, on connaît, pour information qu'on a, c'est l'enquête des CPJ, enquêteurs. Et c'est Léon Charles qui t'a fait exécuter. Mais par la suite. Non, non. Par la suite. Ça n'a rapport, ça dit là, pas un rapport que c'est Léon Charles qui fait exécuter. Regardez, et on dit pour le rapport, on a un directeur général de la police qui a fait une fête, il n'a pas écarté. Et il a un complot. Pendant qu'il a un complot, c'est lui-même qui a dirigé l'enquête là et pour demander pour si Baltenio mettait ça dans le rapport. C'est le bagage qui glissait mal pour Léon Charles, qui glissait mal pour lui dans le rapport, DCPJ a premier rapport partiel là. Rapport à son rapport, 122 pages. Dans page 108, côté qui a parlé des commentaires et conclusions, et puis qu'on y a parlé auteur, co-auteur avec complice, et puis il a parlé des gens qui est président relais qui ne va faire rien, et puis il a mis Léon Charles là-dedans. Ok, bon, ce qui est en ordonnance en tout. Maintenant, nous avons encore une réponse à la question. Qui a tué le président? Ah, mais moi, donc, il y a un groupe colombien qui a exécuté. Ok. Donc, c'est Léon Charles parmi les gens qui te voyait tuer le président, c'est ça? Je ne dis pas ça. Ok, ok, d'accord. Il est en complot. Non, 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 je ne dis pas ça. Très bien. Je ne dis pas que monsieur a accéléré dans le complot pour une raison. Et parce que 3 à 4 jours avant l'assassinat, le président Jovenel Moïse informait un ancien sénateur ça, qui était proche président, c'est lui-même qui a fait magie pour eux, il informait lui qu'il va retirer Léon Charles. Qui est sénateur ça? Et ancien sénateur font indiscrétion, il informait Léon Charles. Il dit Léon Charles. Qui est sénateur ça? Pas grand pile qui ont gang. Pas grand pile qui ont gang. Yeah. Ok. Maintenant, par déduction, nous ne pouvons pas raconter qui est. Pour qui ça ou tuer? C'est le plus gros problème qui est dans l'ordonnance. Et là, on n'est pas capable de reprocher le juge et dans ce sens-là. Parce que le juge lui-même, il y a une commission rogatoire, sur question de financement, il n'y a pas de rien. Alors que les Américains ont bali tout. Transactions faites, même si c'est $500, $250. Et pour qui ça, il n'y a pas d'entrée qui prend, même je fais pour l'autre monnaie? Oui, entrée pour qui ça? Non, c'est transactions faites aux États-Unis, ce n'est pas concerné mon Haïti. Je parle de débarras, je parle de transactions qui faites à partir du territoire américain qui concerne les films CTUA et colombiens avec ça non et en plus des Haïtiens américains. Vous dites que Mounio, je n'en pile cob. Oui. Mais Libéry s'est dit ça, il dit son président n'a pas le faire. Il s'est dit ça. Combien de copains ça a été gagné avec? Non, pas mon nom, pas mon nom. Il s'est dit, il était un bon petit copain. Donc, comme ça, il a dispatché dans la rue. Non, il prend. Badio est entré dans le cas là, tout de suite après l'assassinat de Jovenel Moïse. Badio est entré, il vient ramasser les bagages dans la chambre. Peut-être lui ou bien pour la famille, comme vous dites, très proche de la famille? Non, non. Pas fait ça. Non, 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 non. Ou dit que l'entrée vient ramasser bagaille. Non, mais Wendel. Est-ce que ça... Wendel, on va... Michel vient impliquer dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Il faut qu'on y a... Il vient ramasser corps pour famille. Il vient ramasser corps pour tête pâle. Ah, OK. Non, il... Donc là, à côté monsieur là, dans la prison, là, monsieur l'a supposé riche en pile, grand pile corps. Bon. Il y a une petite affaire, oui. Monsieur gagne corps dans le même. Il gagne corps dans le même. Il gagne corps dans le même. Okay. Mais on connaît. Mais chiffre nous t'es annoncé. Bon chiffre de plusieurs millions qui était annoncé que aux jeunes là. Et pas de vrai, ça. Plusieurs millions qui boit dans le cas là. Oui, mais pas jamais un chiffre, mais t'es plusieurs millions de dollars dans le cas là. Ah, plusieurs millions. Et Martine tout elle sorti aux États-Unis, il a dans le cas là avec juge de paix, commissaire gouvernement Rockfeller Vincent, il était un petit cop de. T'es et policiers autour et pour un cop. Policier. Dis-moi, Pierre Espérance, on connaît que procès, bon procès qui est programmé en mai prochain aux États-Unis. Aux États-Unis? Où aller? Comment aller? Non, ce n'est pas suivi pour RNDDH, pour gagner les mains dans le monde. Non, non, je ne suis pas intéressé. Non, mais oui, je ne pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. Pour qu'on ait un Américain, on va aller au procès. Puis, le plus gros mal qu'a privé, c'est si gros procès qui fait dans le dossier. Donc ça veut dire que tout ça qu'a fait là, condamner les gens, c'est parodie que vous avez? Non, 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 attention. C'est des gens qui inculpés, qui collaboraient avec la justice américaine, ils ont des informations sur les gens, et puis ils ont des sentences, et puis devant le procureur, ça a eu le commissaire gouvernement ici, pour aller devant le juge là, pour dire, là, bon, comment nous avons collaboré, est-ce que nous avons diminué la peine? Les Américains ont préféré dans le dossier ça, que Mounio a plaidé coupable. Et bien, ma pestico pour qui ça? Son président qui mourit. Son crime d'État. Il y a une planification qui est faite aux États-Unis, il est capable possible qu'il y ait des agences américaines qui étaient capables au courant, qui étaient capables au courant. Là, on procède pour faire qu'on y a dans quatre dossiers ça. Ça veut dire que toute information pour le public dans le tribunal là. Donc, américain pas appelé ça. Non. Et l'aime du public, par exemple, et il y a un autre bagage tout, procès après le coton paquet de l'argent. Mais ça qui souci américain, c'est surtout pour information sortie. Vous songez Wendel en 2022, le département de justice mettait un embargo sous info pour information pas sortie. Dans le cadre du dossier ça. Ils n'ont pas appelé information sortie. Même Jean-Tou Mabdou et Wendel. Ordonnance juge là, que moi-même pas satisfait parce que je ne connais pas qui mobile et criminalité intellectuelle criminelle. En pile, c'est à partir des informations que moun qui n'a mis américain bail sous moun et puis yo bail juge là et juge là gagne des indices parce que c'est indice la chercher que lien qu'il paye moun yo. Mais en même temps tout, les moins dit pas qu'on est mobile, on pas qu'on mobile criminel sous question financière et financière, gagne des bagages là t'es qu'à faire. Par exemple, Badio t'est mandé dans audition ni devant juge là, Badio t'est mandé une confrontation avec Léon Charles. J'ai pas fait ça. Et pour qui ça d'abord même? Ah, je ne sais pas. Mais je pensais qu'il était important. Il était important. On ne peut pas venir ça devant la cour d'appel là. Mais on doit faire ça. Et il y a d'autres monde, par exemple, pour moi-même, hein, par rapport avec information contradictoire que le Premier ministre a baillé et Badio sous relation avec l'autre. Moi, je pensais que nous avons une confrontation entre Ariel Henry avec Joseph Félix Badio. Pour qui ça d'abord même Badio en Haïti, il va voler aux États-Unis? Oh, très bien. Et ma bon petit exemple, et puis pour nous arriver sur Badio. Le... Pas oublier, nous parler de le temps, non? Le... Et... Bon, mon 38 d'accord. Bon, mon 30 minutes encore. Non. On avance avec le constat parce que j'ai deux questions pour vous encore. Anel Joseph, vous changez, j'étais chef gang et village de Dieu. La police, joignit dans l'hôpital, bonne fin, il était blessé, il a pris soin, il a arrêté, il a mené, il a libéré, il a pris soin, il a psyché, il a allé en DCPJ, et il et FBI, l'ambassade de la Carouelle régulièrement. Il a cherché information parce qu'elle a un paquet d'informations. Anel pas collaborer, pas bailler information, il pas bailler information et c'est ça que fait et où elle et il mouille j'en mouille mais s'il te baille information américain tu prends avec lui. Dans cas Badio et juge là cap travail sur dossier qui déjà fixé un procès pour bientôt si me pas tromper c'est pour mois d'avril ou bien mois de mai mais avec dernière et information qui gagne au Léovine et qu'il paye et ça non dans dossier ça et procès capable de retarder juge là pas confortable avec et procureur m'a dit commissaire gouvernement parce que FBI il travaille pour commissaire gouvernement pour procureur pour venir avec et information pour venir avec des autres monde laisse ça dérange. Et Badio, devant juge Walter, li bay en pile information détail sur tout complot au commencement jusqu'à la fin. Mais quand arrivé sous parti assassinat, il dit ça échappé. Et si Badio pas yon dans cerveau assassinat Jovenel Moïse, qu'on est Jovenel Moïse pas assassiné. Donc ça capable yon nan raison qui fait que et procureur qui c'est commissaire gouvernement hésité et dans cas et Badio. Kounye là dans cas moun yo qui dans prison aux États-Unis, gon seul moun un élément clé qui peut compléter coupable. C'est celle et Solages. Après ça tout l'autre rien des trois Colombiens mais pas important mais tout l'autre plaidé coupable. Et si américain la justice américaine t'arriver à joindre un deal avec Resmonio qui plaide des coupables, son victoire qu'il a pris pour eux parce qu'ils n'ont pas les procès, pas bien trop d'informations qui sont sorties dans le procès. Et dans le procès, on peut avoir tout Il y a des gens là qui ont équipé, ils ont mais qui ça, John Joel Joseph te dit sous l'eau, peut-être sous Léon Charles, mais qui ça, et cela a été dit. Bon, cela est beaucoup plus. Mais qui ça, Vincent te dit. Mais on ne peut pas penser au cas du sous-retour, Pierre. Non, pas gagné, M. Pierre Espérance. Non, parce que. Non, pas gagné. Ok. Je ne pas gagner mon cas du sous-retour. Très bien. Maintenant. Non, je ne pas gagner un complot contre le président. Vous comprenez? Vous avez dit que Pierre Espérance, RNDDH, est campé en face des rives Jovenel Moïse. Vous n'avez pas joué aucune trace que Pierre Espérance ou bien RNDDH. Oui, mais les gens nous disent comme ça que nous avons déjà assassiné Jovenel Moïse, nous avons déjà assassiné le caractère avant que nous assassinions physiquement. Bon, alors là, c'est un autre débat. Ok. L'autre débat dans qui sens, c'est les gens qui partisans banalisation de la vie. C'est les gens qui ne sont pas partisans état des droits. Mais Gombaré Nabdou. Si Léon Charles, comme des GPNH, a des informations sur des gens qui les connaissent qui étaient dans le complot contre l'assassinat de Jovenel Moïse, après l'assassinat, il fait 4 mois directeur général de la police. Il a des informations avec la police judiciaire, ou bien pendant qu'il est allé à Washington, il y a devant le juge 3 fois, il tape Badio devant le juge. Ce n'est pas cour et département d'État mandé pour mettre le dehors, dans la diplomatie. Comme diplomate, mais pas mettre le dehors comme citoyen américain ou bien comme résident aux États-Unis, non. C'est ou bien qu'on équipe là, et puis c'est là ça, les d'où les informations la cité non monde. Alors que il était là, il était là, il était capable. Il doit arriver. C'est des troupes, c'est directeur de la police. Il doit arriver. Et puis, il y a un qui parle de troupes avec lui, et dit tout, et par raison, et puis il est arrivé. Ok. Pierre Espérance, nous pourrons finir, nous sommes à 5 minutes malheureusement, et je fais un signe pour me camper. À la lumière de l'ordonnance, est-ce qu'on pense qu'il y a un bon procès sur l'assassinat du président en Haïti? Impossible. Impossible. OK. Pierre, bon dossier pour nous finir qui très... Que parler de lui en pile dans la presse. Bon, nous-mêmes, au niveau de Métropole, nous toujours gardé, nous relayer des bagages que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons pas confirmer, et tout de suite. C'est le dossier de Chelson Sanon. Monsieur accusé d'un paquet de bagages, vous fait prendre 12 ans de prison, gratuitement, vous accusez des 7 péchés capitaux, et que tu es innocent. Oui ou non? Monsieur innocent, monsieur coupable, qu'est-ce que ça, monsieur gagne pour lui avec la justice? Non, par contre, s'il est innocent ou bien coupable, pas oublier, c'est un monde qui vient dans la RNDDH, et c'est la première fois que nous avons fait face avec Kassa. Il présentait tête lui comme un délinquant, mon pote qui gagne un bandit comme ça. Et Jean-Pierre Gang Sérisé. Il dit qu'on fait crime pour une série d'autorités, il y a une relation avec une série d'autorités, et il dit la ville en danger, et il connaît le bras de mourir, il est prêt pour faire une déclaration devant notaire, et s'il mourit, déclaration lui apprêtée. C'est celle accompagnement que nous avons gagné. Mais monsieur dit que ça, c'est pas vrai, c'est rapport à nous, fait rapport à nous. Non, RNDDH n'a pas fait rapport sur Chelson. Nous fait signer des documents. Non. Chelson, son est qui lit. Et bien, li kon li, la devant notaire, li ça li dit aux déclarations, li d'accord avec eux, li sienne. RNDDH pas de mener enquête sur le dossier. Oui, mais monsieur dit qu'on s'accuse, on fait un pile pression sur lui pendant la prison. Bon. Li même avancé le numéro de téléphone qu'on connaît oui, tout le temps. Mais Mabdou, pas aucune possibilité. 1% chance qu'on moun a pour une conversation Pierre Espérance avec Chelson dans la prison. Ils fait ça déjà. Et la Fontante, commissaire gouvernement, lui demandé et Digicel et avec Natcom et relevé et communication qui était gagnée entre Chelson avec moi. Ou pas qu'à moi rencontre Chelson une fois. Dans la prison, une seule fois. C'est le match football en bas avec droits humains, les saletés dans la prison. Et puis, moi, ça dit, je ne sais pas. Ok, mais comment tu fais arrêter lui? Sur qui base tu as arrêté lui? Très bien. Yo arrêté lui parce que l'a présenté devant le juge là, après il fin fait déclaration, Et Gilles a dit, par rapport avec toute ça, il faut que je me dise que ça va pas la gueule. Qui juge? Qui juge? Je ne suis pas juge là. Je ne pas songer. Parce que ce n'est pas moi qui t'ai accompagné. Moi, c'est le directeur exécutif RNDDH. RNDDH, c'est une institution. RNDDH, pas Pierre. Ça veut dire que question pour les dénonciations ou monde qui vient, c'est pas moi qui est Mounio. OK. C'est pas moi. J'ai besoin d'attendre sur ça pour finir. Pierre Espérance, vous présentez comme un homme qui est fort en pile. Oui, je suis fort en pile. Je suis fort, je suis puissant. OK. Et c'est quoi pour ça? Je ne vais pas mourir à genoux, je ne vais pas mourir debout. Je ne vais pas faire mon complice de banalisation de l'impunité en un pays. Pour que je me fasse, je vais parler, je vais dénoncer des dérives sur quel que soit le pouvoir. Je ne vais pas peur, je ne vais pas peur. Donc, si c'est ça, c'est cette puissance que j'ai, et je connais fort. Non, mais on dit puissance, ça allait aller plus loin. La police peur, juge peur, avocat peur. Et même des organismes de défense des droits humains peur tout. Bon, écoute, vous payez moins d'elle. Est-ce que vous payez? Je vais aller en Irlande avec vous et vous faites des bagailles pour me voyer et on papier timbré bas ou. Vous comprenez? Ça me défend comme ça. Non, parce que je vais droit. Non. Il ne faut pas jouer avec bail sérieux. Parce que moi, je ne comprends pas que je me défends des bails droits. Non. Non, tellement. Et c'était intéressant d'être allé. Vous allez aller. Très bien, songez. Non, pas grave. Non. Ouidel, pas aucune raison pour mon père. Moi, je suis un monde qui est simple, moi accessible, moi, je suis un monde tout simplement qui a une personnalité, caractère, tempérament. On ne peut pas rentrer sur moi. N'importe comment. Et de toute façon, les RNDDH a fait travailler, nous fait sans considération d'ordre politique, économique. Et donc, comme Haïti, son pays qui fait en façon pour ces délinquants qui la voient au chapitre, c'est comme ça que vous voulez construire le pays. Moi-même, je ne suis pas délinquant, je vais camper, je vais goumer, je vais mourir, debout, même pas mourir et à genoux. Et c'est une raison ça qui fait. Nous avons dénoncé des dérives Jovenel Moïse. Les Jovenel Moïse, c'est la première organisation qui campait. Capement de justice pour Jovenel Moïse et la continuer. Bon, et m'ka dit ça, m'ka vinn fon bail parce que yo dit que généralement Lougaou mange petit toi, il commence à crier avant. Ah ben, dis ça rien. Maintenant par exemple, c'est vous Léon Charles un appareil sophistiqué dans men, était dans men jusqu'à 2022 qui t'a dicté bail. Ça l'a bien pour venir avec yo, mais qui côté mon yo te réuni, mais conversation téléphonique etc. On est on fait tout le temps ça, on fait 4 mois. Ou bloquer l'enquête là, ou manipuler l'enquête, ou faire des éléments clés dans le dossier à sauver, et Gomba ne m'a pas dit. Et dans quel but? Pour faire l'argent ou bien tu as fait ça? Non, parce que ils sont éléments clés, ils sont dans crime. Ils sont complot. Mais ils sont complot. Ou qu'on est un d'elle. Puis fort policier qui t'a enquêté sous dossier ça, il était peut-être environ une dizaine, à peine si gain $2. Tout court qui te paye parce que... Il y a le Biden? Non. En septembre 2021, pas de Biden, c'est 2021, Biden est 2023. Oui. Menace, Léon Charles fait, et Souyo fait inspection générale, commence à convoquer yo, et puis négio quitté. Pour qui ça? C'est parce que... Et pour qui ça n'a pas fait dénonciation de la Baitan? Qui est-ce qui ne doit pas faire dénonciation? Il a fait bruit, il a public. Toute dénonciation pour le public? Bon, c'est ça me passe. Toute dénonciation pour le public? Non, toute pas obligée publique. Ah, mais d'accord. Ah, mais toute dénonciation. Donc ça veut dire qu'on gagne. Mais toute dénonciation pas obligée publique. Pierre Espérance, merci en pile pour la présence sur la matin. C'est vrai, moi, on t'a parlé pour nous aller plus loin, pour nous continuer, mais on connaît. Il y a un principe. Et même, d'après mes avant, aller demander ça, d'après vous-même, policiers qui t'ont assuré sécurité, caille président, je dis, côté oui. Et il y a un peu là-dedans qui est pays, il y a un là-dedans qui est en prison toujours, mais surtout ça qui était, les groupes qui étaient là pour assurer la sécurité, et ils sont en prison et ils quittent le pays. D'après vous, même jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des comploteurs, des gens qui sont vraiment impliqués dans. Si vous mettez de côté, financier, cerveau financier, est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui en Haïti qui impliqué dans l'assassinat et que nous n'avons pas sous ordonnance là. Bon, je prends un exemple. Peut-être je vais chercher plusieurs. Souvent, exemple comme juge Wendell Cook. Il va voir la juger. Pour qui ça d'abord même? Ah, je connais. C'est juge la connaît. Ça veut dire qu'en pile réunion, fait la CAE, tout le monde connaît, c'est juge la connaît. Et c'est ça, oui. Et dans l'enquête, ça, il y a les oubliés de juge Voltaire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des statuts et qui ne peuvent pas dire rien sur eux. Il va normal. Vous pensez que c'est à volonté? Pour une raison. Mais les gens, ça, et coup d'appel après tourner sur eux quand même. Merci beaucoup, Pierre. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Pierre Espérance était l'invité de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, une bonne semaine avec Métropole et à demain.